Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous allons devoir commencer notre intervention bientôt. Donc, nous vous remercions de rester connectés donc, sur Facebook et sur YouTube pour nous suivre en direct. Vous allez donc accepter avant que nous puissions commencer, que nous puissions écouter, célébrer le nom de l'Éternel avec cette belle chanson de notre bien-aimé frère Lung. Ok? Et immédiatement après, nous allons devoir commencer. Je voudrais en profiter pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs. Donc, vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur se souvienne de vous. Colo, alléluia. Donc, soyez patients, nous attendons que les autres bien-aimés frères et sœurs puissent arriver. Pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions parler des choses du royaume. Salut bien-aimé Timba Teke, bien-aimé Désiré, Maman Solange, à partir du Danemark également, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Ah, le bien-aimé frère David Mounir également vient de se connecter. Donc, j'espère que le Seigneur va nous être favorable cet après-midi. Nous allons prendre à la rigueur 1h, 1h30 pour pouvoir parler des choses de Dieu. Mais souffrez d'abord que nous puissions louer le nom du Seigneur avec cette belle chanson. J'ai vu mon ami personnel Romain Bilo également être connecté. La sœur Lauriane, que Dieu te garde aussi. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que nous pouvons pour l'instant arrêter la chanson à ce niveau pour que nous puissions finalement commencer notre intervention. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire, donc autant mieux arrêter là. Bon. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ravis de vous savoir nombreux, connectés pour nous suivre en ces jours. C'est comme j'ai fait la promesse que tous les lundis à partir des 13h, heure d'Ottawa, 19h, heure de Paris, je serai avec vous en ligne pour partager avec vous la parole du Seigneur. Je vais devoir m'excuser pour le lundi de la semaine prochaine parce que j'ai une petite course à faire dans une ville voisine. Nous ne pourrons pas être de vôtre le lundi de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons donc ensemble partager la parole du Seigneur.
comme je l'avais dit, je voudrais aujourd'hui expliquer le prophète Élie le Tishbite, parce que nous sommes toujours dans cette marche-là, expliquer comment le prophète Élie le Tishbite est l'image de Jean-Baptiste. Vous nous excuserez pour la voix, on est un peu grippé. Mais je profiterai également de ces plateaux pour parler, dire un mot sur les sortes de prières, sur ce qu'on appelle le geste dans la prière. Pourquoi? Parce que j'ai reçu quelques inquiétudes des frères et des sœurs qui probablement ne nous ont pas bien saisis lorsque nous avions posté une vidéo d'un frère bien-aimé qui était en train d'expliquer sur le combat spirituel. Alors certains n'ont pas bien saisi, alors je crois que je voudrais profiter de ce plateau pour pouvoir en parler. Je dirai également un mot sur la conception de cet homme aveugle que le Seigneur a guéri, le faire sortir du village et lui demander de rentrer dans sa maison sans passer par le village. Voilà, nous allons devoir en parler. Et nous en parlerons avec une très belle précision des Écritures. Salut également, bien-aimé Badimo de Bruxelles, que le Seigneur se souvienne de toi. Mais avant de pouvoir commencer, je voudrais dire ceci, frère. Vous savez, les choses de Dieu, il faudrait les faire aussi simplement possible. Les faire pas très compliquées. Voyez-vous. Et moi, je crois qu'un homme que le Seigneur a brisé, un homme que le Seigneur a transformé, il comprend pourquoi il est appelé par Dieu et il comprend pourquoi il est en train de servir. Seigneur. Dans ces choses, nous ne faisons pas la guerre aux frères ou aux sœurs. Nous ne sommes pas animés de sentiments mauvais. Nous sommes toujours animés d'un sentiment noble. Salut bien-aimé Trésor Vague. D'un sentiment noble d'expliquer les choses de Dieu. D'expliquer les choses de Dieu pour que les gens qui nous suivent soient à même de comprendre. Avant d'aborder la question du prophète Élie le Tishbite, qui est notre thème principal, je voudrais d'abord que nous parlions des différentes sortes de prières. Ok? Cette chose-là est importante pour que nous puissions bien nous saisir. La Bible dit ceci. La Bible dit: faites en tout temps à l'Éternel différentes sortes de prières. Déjà, quand on lit cette écriture-là, on se rend compte qu'il y a donc plusieurs sortes de prières. C'est pourquoi il est important que nous puissions saisir cela. Nous sommes dans les livres d'Ephésiens, chapitre 6, verset 18. Il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Quand tu lis cette écriture, tu vas très vite comprendre que la Bible nous présente plusieurs sortes de prières. Et parmi les sortes de prières, je vais vous en énumérer certaines aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la prière de combat, qui est une chose biblique. Regardez avec moi, avec beaucoup d'attention. Moi, j'ai toujours dit ceci. Il n'est pas dit parce qu'il y a des faux pasteurs que le pastorat est devenu une mauvaise chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux apôtres que l'apostolat, on doit les diaboliser. Non. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a le faux, le vrai existe aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a des gens qui ont fait
un mauvais usage de ce que l'on appelle le combat spirituel, cela ne peut pas nous empêcher de parler du vrai combat spirituel selon la Bible. Voilà pourquoi nous allons prendre quelques écritures pour que nous puissions nous mettre là-dessus. Je prends d'abord une écriture dans le livre des Philippiens. Non, prenons 1 Timothée chapitre 1er verset 18. Il est écrit, le commandement que je t'adresse Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. J'ai donc d'abord les Écritures. 1 Timothée encore chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. De Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ajoutons une autre écriture pour nous faire comprendre cela. Toujours le bien-aimé Paul, il dit dans le livre des Éphésiens chapitre 4, le verset, non, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, salut bien-aimé Pipin, il dit, car nous n'avons pas à lutter. Voyez-vous, quand on dit nous n'avons pas à lutter, vous comprenez que la lutte est un combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Là, vous comprenez déjà que le bien-aimé Paul nous explique que parmi les sortes de prières, il y a ce qu'on appelle la prière de combat. Je vais revenir par la suite pour vous amener à comprendre que chaque sorte de prière exige une gestuelle. C'est là où beaucoup de gens ne nous avaient pas compris. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui accompagnent les sortes de prières. Vous comprenez? On va aller doucement et chacun de vous va voir et il verra clairement avec les Écritures à l'appui. Donc, déjà ici, le bien-aimé Paul nous fait comprendre que il existe bel et bien un combat d'ordre spirituel parce qu'il dit dans le livre des Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres dans les lieux élevés, c'est-à-dire dans le lieu céleste. Et Paul dit qu'il s'agit d'une lutte, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un combat. Cette chose est importante parce que je reviendrai pour expliquer qu'il y a des hommes aujourd'hui qui mènent une vie anormale, mais qui se plaisent à dire que je suis en Jésus. Vous comprenez? C'est une chose importante. Je reviendrai aussi sur la question. Quand le Seigneur dit à Pierre, Simon Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible les blés, mais moi j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras converti, que tu affermisses tes frères. Quand tu lis cette écriture, bon, tu comprends que pour Jésus, Pierre n'était pas encore converti. Voilà pourquoi le diable l'avait réclamé. Voilà, ça c'est noir sur blanc. Mais pour les gens de la ville, les gens qui observaient Jésus avec ses disciples, pour eux, Pierre marchait déjà avec Jésus. C'est-à-dire, Pierre n'était plus en train de marcher comme les gens du monde. Je vais revenir là-bas, si le Seigneur le permet. Vous comprenez? Parce que Pierre a reçu l'appel. Il a donc quitté sa pêche. Il a donc quitté son monde. Il a commencé à marcher avec Jésus. Donc, les gens qui l'observaient l'ont vu marcher avec Jésus. Voilà pourquoi il est important de comprendre que dans cette marche que nous faisons, nous avons des frères et des sœurs qui marchent déjà avec nous, mais qui en réalité
Vous comprenez? Le diable est en train de les réclamer. Je vais revenir là-dessus tantôt. Maintenant, le bien-aimé Paul, il nous parle que nous n'avons pas à lutter. Donc, Paul nous fait comprendre qu'il existe bel et bien un combat d'ordre spirituel. Parce qu'il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres, dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans les lieux élevés. Donc nous comprenons que les esprits mauvais, les principautés, les princes du monde des ténèbres, donc ils sont en train d'errer dans les airs, donc dans ce que nous appelons l'étendue. C'est pourquoi il est plus facile, quand tu vas dans une ville, que tu constates que les gens qui habitent telle ville ont un type de comportement. Ils ont un modèle de comportement. Ce modèle de comportement est lié à l'environnement. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui habite un type qui vient du Bandundu. Il a un comportement typique des gens de Bandundu. Vous comprenez ce que je dis là? Pourquoi? Parce qu'il y a les princes du monde de cette contrée qui influencent les comportements des gens. Les gens qui habitent l'Europe, qui habitent Bruxelles, et ceux qui habitent Londres, vous comprenez que quand vous les observez dans leur conduite, vous allez voir que les comportements diffèrent. Mais qu'est-ce qui fait cette différence-là? Je parle encore à la manière des hommes. Ce sont les influences des mondes des ténèbres dans le lieu céleste qui déterminent les comportements des gens. Je reviendrai là. Donc, nous avons ce que nous appelons la prière de combat. C'est une chose biblique. Je voudrais ajouter une autre écriture. Il y a aussi ce qu'on appelle la prière des supplications. Prenons les livres de 1 roi. Vous allez souffrir avec moi. Nous allons prendre, vous prenez 1 roi, le chapitre 8, le verset 33. Laissez-moi si je peux aller vous trouver cette écriture-là. Souffrez que je trouve l'écriture, ok? 1 roi, chapitre 8, le verset 33. Avec votre permission. 1 roi, chapitre 8, le verset 33. C'est ça? Ouais, 33. Essayons de lire cette écriture-là. Avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. La Bible dit... Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire en ton nom, et s'il t'adresse des prières et des supplications. Voilà. Donc, l'autre, voilà, des supplications dans cette maison. Ici, le bien-aimé, donc le livre des premiers rois, chapitre 8, le verset 33, nous fait comprendre qu'il existe aussi ce qu'on appelle la prière des supplications. Je vous ai dit tantôt ici que chaque sorte de prière est accompagnée des gestes que l'homme accomplit. Je vais revenir là. Donc, Paul nous parle de la prière des combats. Le livre de 1 roi chapitre 8, verset 33, nous parle de la prière des supplications. Donc, vous comprenez que la prière des combats, elle est différente de la prière de supplication. Vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il faut que les enfants de Dieu comprennent ces choses-là. C'est pourquoi vous allez remarquer, on en parlera. Même dans les attitudes que nous adoptons par rapport à la prière, il y a des gestes que nous accomplissons. Il y a des mouvements que nous accomplissons qui sont liés aux différentes formes de prière. Je voudrais ajouter une autre écriture, si vous permettez, une autre sorte de prière. Donc, je vous ai donné la prière de combat. J'ai donné le livre de Timothée. Je viens de vous donner la prière des supplications. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui supplie, il est en train d'implorer. Je ne sais pas si je peux vous trouver une autre écriture. Vous souffrez? Je vais voir si je peux vous trouver une autre écriture. L'abondance des biens ne nuisant jamais. Je peux vous ajouter notre écriture. Lisons notre écriture. La Bible dit ceci. Toujours 1 roi chapitre
8, verset 49, l'Écriture dit « Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications. » J'avais une autre écriture que je voudrais vous ajouter, je crois, c'est David également qui en parle. Psaume chapitre 28, le verset 6. « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. » Voyez-vous, on peut avancer. Prenez également Psaume, le chapitre 33, le verset 22. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Donc, nous avons ce qu'on appelle aussi la prière des supplications. C'est-à-dire quelqu'un qui implore la faveur de Dieu. Quelqu'un qui recherche que Dieu puisse lui venir en aide. Cet homme-là, il fait à l'Éternel une prière de supplication. Mais celui qui fait une prière de combat, il ne s'adresse pas à l'Éternel. On va y revenir. Donc vous allez comprendre que les attitudes que nous prenons dépendent aussi des formes de prière que nous sommes en train d'évoquer. Prenons une autre écriture. Le livre de Jérémie, le chapitre 11, le verset 14. Ok? Prenons Jérémie, chapitre 11, verset 14. Je donne une autre forme de prière. Jérémie 11, verset 14. La Bible dit: Et toi, Jérémie 11, verset 14, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas. Nous pouvons également ajouter Jérémie chapitre 14, verset 11. La Bible dit, l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Voyez-vous, il y a ce que nous appelons la prière d'intercession. Voyez-vous, frère? Donc, c'est pourquoi, vous savez, des fois, les gens prient, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc, une autre sorte de prière, c'est la prière d'intercession. Or, une prière d'intercession, c'est-à-dire, tu pries en faveur de quelqu'un d'autre. Car la Bible dit, intercédez les uns pour les autres. Souvenez-vous, lorsque l'Éternel est allé visiter Abraham, lorsqu'il rencontre Abraham sur les chaînes de Mamré, Abraham a intercédé pour Lot. Abraham a donc prié pour son neveu. Donc, généralement, la prière d'intercession consiste à prier pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce sont là les différentes sortes de prières. Je vais venir pour vous démontrer que à chaque forme de prière, il y a ce qu'on appelle le geste qui accompagne, le mouvement du corps qui accompagne ces prières. Je voudrais ajouter une autre sorte pour conclure. Donc, je vous ai donné la prière de combat, je vous ai donné la prière de supplication, je viens de vous donner la prière d'intercession. Ajoutons une autre écriture, toujours dans Jérémie. Jérémie chapitre 7, verset 11. Verset 11. La Bible dit ceci. Est-elle, Jérémie chapitre 7, verset 11, oui, nous lisons. Est-elle à vos yeux comme une caverne, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Voyez-vous? Voilà. Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Voilà. La Bible des surenchéris. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel leur envoya quoi? Sa parole. Ah, bon. Voyez-vous, regardez maintenant. C'est pourquoi vous voyez, vous allez comprendre que beaucoup de gens sont limités dans leur prière. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement sur les différentes sortes de prières. Vous comprenez?
Donc, il y a aussi ce que nous appelons la prière d'invocation, qui est en fait une prière d'appel. Tu appelles, tu invoques les noms de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, je vous ai ici présenté, je n'ai pas dit que la liste est exhaustive, non. Je vous ai présenté la prière de combat, parce que je ne suis pas entré dans ces détails-là. La prière de supplication, nous avons la prière d'intercession, nous avons ici la prière d'invocation. C'est-à-dire, celui qui fait une prière de combat, il est en train de s'adresser directement au diable, il ordonne. Parce que la prière de combat, vous comprenez, est liée à l'esprit de l'autorité. Selon qu'il est écrit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous comprenez? Vous comprenez que la prière de combat revêt le caractère autoritaire. Voyez-vous? Or, celui qui agit par autorité, c'est celui qui gronde. Voilà. C'est pourquoi vous entendrez les versets du genre « L'Éternel cria ». Oh, quand l'Éternel crie, les cris de l'Éternel, c'est l'autorité du roi. Donc, celui qui fait une prière de combat, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'ordonner. Il est en train de commander. Donc, il ne supplie pas. C'est pourquoi nous disons, quand tu es en train de chasser les démons, en réalité, tu fais une prière de combat. En d'autres termes, cette prière de combat, c'est ce que nous appelons aussi la prière d'autorité. Pourquoi on l'appelle prière d'autorité? Tout simplement parce que tu ordonnes. C'est donc qu'il est écrit, donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui rentrent. En mon nom, ils chasseront. Or, quand tu chasses les démons, tu commandes, tu leur donnes l'ordre de quitter le corps. Vous comprenez? C'est la prière de combat. Or, je vais venir bientôt pour expliquer les gestes. Ce sont là les sortes de prières que je vous ai présentées. Or, vous allez voir que dans la prière de combat, c'est-à-dire, celui qui ordonne, il prend la position du chef. Il prend la position d'une autorité. Et la manière de parler, les tons qu'il utilise, doit être un ton autoritaire. Voyez-vous? Donc, si tu cries, tu n'as pas péché. Bon, parce qu'il y a des fois, des gens ne comprennent pas. On va donner, je vais encore donner l'écriture. Vous comprenez? Je vais donner l'écriture pour que les gens nous comprennent ça. Très bien. La Bible dit ceci. La Bible est en train de dire ceci. Quand le Seigneur est en train de parler, c'est très très important. Regardez. Le Seigneur, dans Psaume chapitre 22, le verset 24, les gens qui lisent Darby, ils peuvent prendre le verset 25. Car il n'a ni mépris ni dédain pour le pain du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Vous avez compris? Donc, c'est pourquoi celui qui crie, il agit avec une autorité. C'est pourquoi Jésus, quand il a parlé à Lazare de sortir dans le tombeau, il cria, sors. Donc, or, les cris ici, il ne faut pas non plus les comprendre vraiment en français. Mais ça consiste aussi par le fait d'ordonner. C'est-à-dire, il y a ici une forme de dire pour que la personne puisse écouter. Mais il peut aussi y avoir des cris d'amertume. Vous comprenez? Il peut aussi y avoir des cris de douleur.
Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, une prière de combat va exiger que tu puisses parler avec autorité. Jésus-Christ, non, Pierre et Jean s'en allant au temple pour prier, croisèrent un paralytique. Regardez l'attitude de celui qui ordonne. Il regarde le paralytique, il dit, qu'est-ce que tu veux? L'homme demanda l'argent, Pierre leur dit, ce que nous avons, nous allons te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez? Il a ordonné. Donc, tu prends une position. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que les gestes que nous accomplissons physiquement, vous allez voir ça bientôt, a une explication d'ordre spirituel. C'est-à-dire, il y a en cela une donnée spirituelle qui explique les gestes que nous posons. Maintenant, je vais vous donner quelques écritures par rapport aux gestes. Quand nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 7. Je voudrais que nous puissions lire quel verset. Laissez-moi vous trouver une écriture là. Je crois que c'est le verset 60. Regardez. La Bible nous dit ceci. Je suis en train de chercher ce verset-là. Actes des Apôtres, chapitre 7. La Bible nous dit ceci. Nous explique ceci. Je vais lire une écriture, ensuite nous allons avancer. Vous allez comprendre que l'écriture nous dit les différentes, maintenant je suis en train de parler des gestes, les différents gestes qui se posent par rapport aux différentes formes de prière. Donc, remarquez que celui qui fait une prière d'autorité, qu'est-ce qu'il fait? Il y prend une position de celui qui est en train de commander, de celui qui est en train d'ordonner. Vous comprenez? Mais celui qui fait une prière de supplication, cet homme-là, quand il fait une prière de supplication, c'est-à-dire, il peut prendre la position de quelqu'un qui s'agenoue. Comment? Donc, il fléchit ses genoux. Or, quand l'homme fléchit ses genoux, c'est-à-dire, il se met dans une position de quelqu'un qui implore la grâce. De quelqu'un qui reconnaît que celui qui est en face de lui est élevé, moi je m'abaisse. Donc, je ne suis pas digne de me tenir au devant de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comprenez-moi très bien, frère. Donc, tu ne peux pas, pendant que tu recherches la faveur de Dieu, pendant que tu recherches que Dieu puisse avoir pitié de toi, que tu viennes devant l'Éternel avec une position de quelqu'un qui n'a rien fait. Parce que vous savez, frère, quand quelqu'un est coupable, la manière dont il se présente devant l'Éternel atteste que l'homme est attristé et qu'il recherche la faveur de Dieu. Même la nature nous enseigne cela. C'est pourquoi les gens qui sont venus voir Jésus pour qu'il guérisse leurs enfants, qui recherchaient le miracle auprès de leurs concitoyens ou de leurs collègues, ils disaient toujours à Jésus, « Je ne suis pas digne. » Souvenez-vous de ces soldats romains, de ces commandants, qui est venu voir Jésus pour que Jésus puisse guérir son serviteur. Quand Jésus lui a dit que je vais aller chez toi, l'homme dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Vous voyez? Donc, il reconnaissait que lui, c'est quelqu'un qui est affaibli. Il ne peut pas. Vous comprenez? Donc, la manière dont il se présente, même la femme qui est venue répandre le parfum sur le pied de Jésus, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait?
Il s'est penché, il s'est prosterné. Or, quand on se prosterne, on est dans la prière des supplications. C'est-à-dire, on est en train d'implorer. C'est ce que nous appelons les gestes qui accompagnent les formes de prière. Mais alors que celui qui ordonne, il doit être debout pour parler, parce qu'il est en train de donner un commandement. Souvenez-vous, je n'entre pas encore dans les données prophétiques. Je suis vraiment terre à terre, hein, comme une autruche, pour qu'on se fasse comprendre. Avez-vous remarqué que c'est la tribu de Juda? Je veux prendre une petite envoi. Un petit envoi. Avez-vous remarqué que c'est à Juda que Dieu avait donné les bâtons de commandement? Vous vous souvenez? C'est-à-dire que c'est Juda qui commandait, qui ordonnait. Or, quand Israël campait, pour que Israël commence le déplacement, celui qui se mettait en premier en marche, c'est-à-dire celui qui se mettait debout en premier, c'était Juda. Oui. Donc, Juda, quand il commence la marche, c'est-à-dire il s'élève, parce que celui qui commence la marche, il fait le mouvement d'élévation, c'est-à-dire il quitte la position assise, il se met debout. Oui. Là, il vient de commencer la marche. Donc, il commande. Le fait de se mettre debout, c'est le commandement. Vous comprenez? Ce sont des gestes qui attestent de l'autorité de celui qui parle. Voilà pourquoi, avez-vous remarqué cela, que quand on fait une prière de supplication, je vais encore donner d'autres éléments, on ne peut pas, quand on supplie la faveur de Dieu, techniquement, tu ne peux pas être dans une position debout. Techniquement, non. C'est-à-dire, tu dois adopter les signes qui attestent que tu t'humilies. Il y a ce que nous appelons également, toujours dans les gestes, le geste de se prosterner. Le bien-aimé Jacob a dit à Joseph, tu voudrais dire que moi, ta mère, tes frères, nous viendrons nous prosterner à terre devant toi. Vous comprenez ça? C'est prosterner à terre. C'est-à-dire, c'est coucher au devant de toi. Donc, vous comprenez que celui qui se prosterne, en réalité, il descend par terre. Donc, dans nos formes de prière, dans les gestes que nous accomplissons dans la prière, nous pouvons demander au peuple pour reconnaître la suprématie de Dieu que nous puissions nous prosterner. Or, quand nous nous prosternons, nous devons quitter la position debout, nous devons quitter la position assise, nous allons donc prendre la position couchée. J'ai des écritures, hein, ne vous en faites pas. J'ai des écritures pour faire asseoir cette chose-là avec l'aide du Seigneur. Je voudrais prendre Psaume 7, chapitre 86. Psaume 86, ok? Psaume 86, le verset... Laissez-moi quel est le verset que je cherche là, si je peux le trouver. Allons voir si je peux trouver ça. Psaume 86. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis dans Psaume 86, verset 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face et rendre gloire en ton nom. Je voudrais ajouter une autre écriture. Job, chapitre 1, verset 20. Job, chapitre 1, verset 20. Job, 1. Verset 20. La Bible dit ceci. Job, verset 20, la Bible dit. Alors Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Avez-vous vu? Donc, nous pouvons dans une prière, nous tous, nous couchons.
partait. C'est un signe que nous sommes en train de nous prosterner. Ce sont des gestes naturels, mais en réalité qui traduit un état d'esprit. Vous comprenez? Donc, les naturels renseignent les spirituels. Ce sont des gestes naturels, mais qui traduisent un état d'esprit. Donc, se prosterner, c'est un geste qui est lié à la prière des supplications. Quand on demande pardon, quand on cherche la faveur de Dieu dans sa vie, quand on voudrait que Dieu fasse quelque chose pour sa vie, on peut procéder par la prosternation. Je ne suis pas encore ici en train d'expliquer les interprétations que signifie prosterner. Vous voyez, ça nous pouvons l'expliquer. Mais je suis en train d'expliquer les gestes. Donc, quand vous avez entendu un de nos frères parler que dans la prière, le geste compte, c'est dans ce sens ici que nous expliquons cela. Je n'ai pas fini. J'avais voulu également que nous prenions Éphésiens chapitre 4, verset 14. Toujours pour expliquer ces choses-là. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Je vous donne beaucoup de versets pour que nous puissions... Non, Éphésiens chapitre 3, pardon. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Pour que vous compreniez ces choses. La Bible dit ceci. J'ai fléchi mes genoux devant le Père. À cause de cela, j'ai fléchi mes genoux devant notre Père. Vous comprenez? Donc, il faut se poser la question. Pourquoi l'homme doit-il fléchir les genoux? Naturellement, pourquoi? Ça a quel impact? Pourquoi je vais fléchir mes genoux? Est-ce que c'est parce que j'ai fléchi mes genoux que Dieu va m'écouter? Mais pourquoi la Bible dit que l'homme a fléchi les genoux? Vous comprenez que les gestes qu'il accomplit là, sur le plan spirituel, renseigne c'est quelqu'un qui s'humilie. Qui comprend que la personne auprès de qui je suis en train de parler est élevée. C'est pourquoi quand Joseph montait sur son char et qu'il s'est déplacé, tous les genoux fléchissaient. Dieu l'a souverainement élevé, qu'il a mis placé son nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou, voyez, élevé, donc les genoux qui fléchissent attestent de la supplication. Avez-vous remarqué cela? Donc, nous avons des gestes de se prosterner. Je voulais également vous ajouter une petite écriture dans... Exode chapitre 9, verset, je crois, je vais chercher ça. Exode chapitre 9, le verset 29, je crois. Souffrez que je trouve l'écriture. J'ai donné beaucoup de versets, ok? Pour me faire comprendre. La Bible dit. La Bible dit ceci. Je cherche cette écriture là. Non, je crois que c'est Exode. Non, prenons Exode chapitre 17. C'est mieux. Exode chapitre 17. Ce n'est pas le verset que j'ai cherché. Exode 17, verset. Nous commençons par le verset. Je vais prendre le verset 12. Mais on peut commencer par le verset 1 pour les gens qui veulent connaître l'histoire. Ok? Prenons le verset 17. La Bible dit. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Voyez-vous? Donc, Israël livrait bataille avec les Amalécites. Au cours de cette bataille, de ce combat, quand Moïse avait le main levée, le peuple était victorieux. Donc, nous comprenons que ça compte le fait que quelqu'un prit les mains levées. Ce sont des gestes naturels, mais qui ont des explications, des impacts sur le plan spirituel. Voilà pourquoi quand tu lis 1 Timothée chapitre 2, verset 8, il est écrit,
Je veux que les hommes prient en tout lieu les mains levées. Or, quand on prie les mains levées, cela atteste d'un homme victorieux, d'une femme victorieuse. Vous comprenez? Donc, de celui qui est affranchi. Donc, vous comprenez que dans les formes de prière que j'ai citées ici, la prière d'invocation, de supplication, d'intercession, la prière de combat, chaque forme de prière est accompagnée des formes de gestuelle. Voilà pourquoi celui qui fait une prière de combat, il ordonne, il accomplit des gestes, des positions qu'il prend, atteste de la forme de la prière qu'il fait. Voilà, parce qu'il est en train d'ordonner. Vous chasserez, c'est à l'impératif. En mon nom, vous chasserez. Donc, vous comprenez? Donc, la manière tu ordonnes atteste ce que tu pries, ce que tu fais, les gestes que tu accomplis. Celui qui recherche la faveur de Dieu, qui recherche une supplication de Dieu, cet homme-là, il ne prie pas le Seigneur dans une position de quelqu'un qui croit déjà avoir tout obtenu, hein, avec une forme d'orgueil. Non. Donc, celui qui se présente au devant de l'Éternel, il doit, il y a beaucoup d'efforts, de gestes. Il y a même ce qu'on appelle la prière, le geste d'inclinaison. Tu inclines ta tête sur ta poitrine, c'est biblique. Ne vous en faites pas, ok? C'est dans la Bible. Donc, tu pries le Seigneur, tu as la tête inclinée. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Prenons, donnons l'écriture. Psaume. Psaume. Psaume, chapitre 35, je crois. Je vais chercher le verset. Allons voir ça. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Psaume chapitre 35, verset 13. La Bible dit: et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par les jeûnes. Je priais la tête penchée sur mon sein. T'as vu? L'homme qui recherche la faveur de Dieu. Donc, quand il prie, les gestes qu'il utilise attestent de son état d'esprit. Il dit, quand ils étaient malades, je revêtais mon sac, je m'humiliais. Mon âme par les jeûnes, j'ai prié la tête penchée sur mon sein. Voilà. Donc, on peut prier avec une tête inclinée. L'inclinaison, c'est un geste de la prière. Donc, je peux demander au peuple, quand je sais que nous implorons la faveur de Dieu, c'est une façon de dire que Dieu, je ne peux pas regarder ta face. Je ne peux pas lever mes yeux pour te regarder parce que je recherche ta faveur. Tu es un homme puissant. Nous prions la tête inclinée. Ouais, le verset est là. Donc, c'est pourquoi je voudrais faire comprendre aux gens que les sortes de prières déterminent aussi les gestes qui accompagnent la prière. Donc, quand tu fais une prière de combat, automatiquement, tu ne fais pas une prière de supplication. Là encore, il faut comprendre que même la prière de combat, c'est-à-dire, il y a des mots, des versets, des dispositions bibliques que l'on utilise dans une prière de combat. Il y a des mots, des prières, des dispositions bibliques qu'on utilise dans une prière d'intercession. Il y a des mots, des dispositions bibliques qu'on utilise dans une prière de supplication. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a des gens qui ils supplient la faveur de Dieu, mais ils ordonnent à Dieu. Non! Dieu, tu dois me faire ça. Si tu ne fais pas ça, Dieu. Oh Dieu, si tu ne fais... Non, tu n'ordonnes pas. Tu es en train de supplier. Vous comprenez? Tu ne dis pas à Dieu, si tu ne fais pas, je ne ferai pas ceci. Non! Parce que là, tu supplies le Seigneur. Tu vois? Or, quand tu supplies le Seigneur, il y a des dispositions bibliques qui accompagnent les prières de supplication. Éternel Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons même des hommes
sur la terre, des femmes qui ne savent pas comment on supplie pour obtenir la faveur. Vous comprenez? C'est une... Je voulais dire une chose ici qui est importante. Vous comprenez ça? Donc, il y a des prières qu'on appelle la prière de supplication. Cette prière de supplication-là, il y a des dispositions. Tu ne peux pas, pendant que tu es en train de chasser les démons, toi, tu es à genoux. Comment tu peux être à genoux alors que tu es en train de chasser les démons? Tu fais une prière de combat en étant à genoux? Non! Même le peuple, parce que vous savez, les exemples des combats dans la Bible, Dieu a mis ces exemples, il a mis ces histoires de combat pour nous servir d'exemple. Le peuple qui combat, il se met debout. Le combattant ne s'assoit pas, l'ennemi va t'avoir. Il se met debout. C'est un geste naturel, mais qui atteste d'un état d'esprit. Non, non, on trouve déjà quelqu'un qui est en train de prier. Il allonge ses pieds comme s'il était fatigué de la vie, comme s'il va dormir, comme s'il va mourir de faim. Il prend des positions. Même quand tu regardes, tu trouves que cet homme n'est pas sérieux dans sa prière. Quelqu'un qui fait, il supplie le Seigneur, mais il met ses mains dans les poches. Surtout des prédicateurs. On a des prédicateurs comme ça beaucoup aujourd'hui. Lui, quand il prie, donc il prend des airs, il met les mains dans la poche, il tourne à gauche, à droite, il se croit sur un territoire conquis pendant qu'il supplie le Seigneur. Un type comme ça, même les gestes, nous renseigne sur son état d'esprit. Un orgueilleux. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas reçu l'enseignement. Voilà les différentes formes de prière. Je n'ai pas donné toute la liste exhaustive, c'est-à-dire... Les autres ministres peuvent ajouter des éléments là-dessus, nous ajouter des éléments, ça va enrichir le peuple. J'ai expliqué qu'est-ce qu'on appelle les gestes dans les prières. C'est-à-dire, quand on cherche le pardon de Dieu, une prière de supplication, il y a des formes. C'est-à-dire, tu peux te coucher par terre, tu peux t'agenouiller, tu peux te prosterner parce que c'est prosterner, c'est se coucher par terre. Vous comprenez? Tu peux incliner ta tête. En signe de ne pas regarder le trône de Dieu parce que tu cherches sa faveur. Tu vois ça? Donc, quand tu fais une prière d'invocation, donc là, tu peux être debout, tu invoques l'Éternel pour qu'il vienne à ton secours. J'ai donné l'exemple du prophète Moïse quand Israël se battait contre les Amalécites. Moïse avait les mains levées pendant le temps que le peuple combattait. Or, les mains levées de Moïse, c'était toute une prière. Donc la prière d'un victorieux. Vous comprenez? La prière d'un champion. C'est celui qui a les mains levées. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi la Bible dit, je veux que les hommes prient Dieu en tout temps, en tous les lieux, en ayant les mains levées. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, nous sommes disposés à pouvoir répondre à ces questions-là. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je voudrais dire un petit mot sur la notion de ce qui a été dit à propos quand la Bible dit, ça je vais répondre à des frères, le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Lisons cette écriture-là. Lisons cette écriture. Nous sommes dans Luc chapitre 22, dans son verset 32. On peut remonter même à partir du verset 31. Je vais dire ça. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Ah, donc nous comprenons qu'ici Pierre avait déjà la foi. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, frère, quand tu expliques les choses de Dieu, il faut bien lire. D'abord, tu lis bien. Ensuite, tu essaies de comprendre la pensée parce que tu conduis un peuple. N'oublie pas que tout ce que nous prêchons,
Nous avons un peuple que nous conduisons, voyez-vous? Et dans cette marche du peuple, le Seigneur nous enseigne. Ce n'est pas pour rien que David, avant de combattre Goliath, il a d'abord géré les troupeaux de son père. Parce que vous savez, quand tu gères le monde, quand tu gères le peuple, un bon gestionnaire, il apprend aussi. Dieu l'enseigne dans la gestion. Regardez. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ici, vous comprenez déjà que le bien-aimé Simon avait la foi. Sauf que Dieu prie que pour que cette foi ne tombe pas. Pour que tu ne t'écartes pas de la voie de l'Éternel. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Avez-vous remarqué? Suivez maintenant bien. Quand Jésus parle à Pierre ici, Pierre avait déjà quitté le monde. Il était pêcheur, il pêchait les poissons. Jésus l'avait déjà appelé. Il dit, Pierre, abandonne ton filet, ta barque, suis-moi. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc Pierre, je ne vais pas ici entrer dans les interprétations, parce que vous savez que nous en avons la capacité. Donc, Pierre avait déjà quitté la barque, les poissons, la mer. Vous comprenez que ce mouvement de Pierre d'abandonner son poisson, sa barque et consort, c'est le mouvement de celui qui a déjà quitté le monde. Je vais m'expliquer autrement pour que le fils du prophète puisse me servir. En fait, c'est Pierre-là qui est en train d'abandonner la barque, les poissons et la mer qui vient. C'est la terre qui est sortie des eaux le troisième jour. Est-ce que vous me suivez? Suivez bien. Déjà là, nous comprenons que Pierre avait abandonné le monde. Il avait laissé ses activités de tous les jours. Ce qu'il était. Il était. Je vais lire ça. Je vais lire ça pour que les gens comprennent bien. Je vais lire ça. Avec votre permission. Est-ce que vous permettez? Vous permettez? Parce que nous sommes en train d'enseigner, vous comprenez? Suivez-moi attentivement. Regardez. C'est Matthieu qui en parle. Hein? Prenons le livre de Matthieu dans son chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Lisons ça. À partir du verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Remarquez. Aussitôt, il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Avez-vous remarqué? Donc, le bien-aimé Pierre, ici, il avait déjà quitté ses activités de jadis. Ses activités d'Adam. Il les a quittées et il a suivi le Seigneur. C'est un mouvement-là de Pierre, de quitter sa barque, son filet et la mer, atteste que c'est Adam. Non, pas encore Adam. Je vais trop vite. C'est la terre qui est sortie des eaux. C'est-à-dire, il se sépare des eaux. Il se sépare des poissons. Qui toque. Parce que la terre qui était sous l'eau était avec les poissons. Maintenant, quand la terre sort des eaux, donc la terre est séparée des eaux. Je l'explique par le mouvement de Pierre. Donc, quand Pierre abandonne la barque, les poissons, les filets et la mer, il a testé qu'il a quitté le monde. Mais je veux vous dire une chose, frère. Celui qui quitte le monde, il ne devient pas automatiquement parfait. C'est-à-dire, il va maintenant commencer une nouvelle marche. Suivez-moi bien. Suivez-moi attentivement. Donc, il va donc commencer une nouvelle marche. Souvenez-vous que quand Israël est sorti,
sortie de l'Égypte. Parce que j'explique que la sortie d'Israël de l'Égypte, qui sort de l'Égypte, c'est aussi le mouvement des pierres qui abandonnent la mer. Vous comprenez? Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël n'était pas devenu parfait. Il a fallu que Israël marche dans le désert pour qu'il y ait épuration, pour qu'il y ait expiation, pour qu'il y ait nettoyage. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Pierre-là qui a quitté le monde, qui marchait déjà avec Jésus, c'est quelqu'un qui avait déjà reçu la paix, qui a écouté la voix de Dieu, pour qu'il y ait que sorti. Mais malgré le fait qu'il marchait avec Jésus, le diable le réclamait. Est-ce que vous comprenez? C'est ici que nous avions voulu exhorter le peuple à comprendre que même quand tu as reçu l'appel de Dieu, que tu as quitté le monde, le combat n'est pas fini. Le diable va continuer à te réclamer. Pourquoi le diable réclamait-il Pierre? Parce qu'il voulait que sa foi puisse faillir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Suivez-moi bien. Donc, ce Pierre-là, il était déjà avec Jésus. Les gens de la ville qui voyaient Pierre, ils les reconnaissaient en tant que disciples de Jésus, en tant que quelqu'un qui marchait avec Jésus, qui parlait comme Jésus. Souvenez-vous le jour où Jésus a été vendu, livré pour être crucifié, quand Pierre est venu pour se réchauffer au milieu des païens, la Bible dit carrément que les gens l'ont même reconnu par sa façon de parler. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prient, qui marchent avec nous dans ces mouvements des Écritures, qui marchent avec nous dans ces choses de Dieu, mais qui peuvent être saisis par un mauvais esprit. C'est pourquoi même Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mais pourtant, ce n'est pas Pierre qui était Satan. Mais c'est Pierre-là, il marchait avec Jésus, non? Mais ce n'est pas que Satan a possédé la personne de Pierre. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais à un moment donné, l'influence du diable est entrée dans Pierre. Ça, personne ne peut renier ça. C'est pourquoi vous allez voir que même aujourd'hui, nous pouvons être avec des frères et des sœurs, nous prions ensemble, mais le diable peut les utiliser par moments pour agir au milieu de nous. Donc il n'est pas dit que tout ce qu'un homme qui prie avec vous dit ou il fait, que c'est nécessairement parce qu'il s'est dit chrétien, parce qu'il marche avec vous, qu'il est converti, que tout cela vient du Seigneur. Non, non. Ça peut arriver que celui qui marche avec vous là, qui mange, qui boit avec toi, le diable entre en lui par moment. Il n'est pas possédé en tant qu'une possession. Parce que ça, c'est encore une autre dimension. Parce que la possession, c'est une installation et c'est une répétition. Quand quelqu'un fait des actes de façon répétitive pendant des mois, des années, nous comprenons que cet homme est possédé. Quand quelqu'un, il se bagarre tout le temps, toute sa vie, on le connaît comme bagarreur, nous comprenons qu'il est possédé par un esprit. Quelqu'un qui, il est agressif, tout le monde le connaît. Même quand vous faites un effort, il fait un effort d'être calme, mais il y a toujours un sursaut d'une agressivité, d'une brutalité. Nous comprenons qu'il est possédé par un esprit. Quand quelqu'un est incapable d'écouter même la voix de la raison, il est aveuglé, il est possédé par un esprit. Mais nous disons qu'on peut marcher pendant que nous faisons cette marche. Les témoignages sont légions. C'est-à-dire que ton frère qui est à côté de toi avec qui tu pries, mais il peut te scandaliser parce qu'il va dire une chose qui peut blesser ta vie. Vous comprenez qu'il a été saisi par un mauvais esprit. Donc, ces pierres-là qui marchaient avec Jésus, les gens du dehors, il n'y avait que le Seigneur Jésus qui savait que Pierre, quand bien même qu'il a reçu la paix et qu'il marche avec moi, mais sa conversion complète n'est pas accomplie. Je n'entre pas dans les données prophétiques, c'est parce que nous disons que la conversion complète de Pierre, c'est lorsque nous serons avec Dieu dans l'éternité. Mais je ne vais pas entrer là. Donc, le temps où Pierre est en train de marcher avec Jésus, ce Pierre-là, il est l'image aussi de tout un peuple, de tout celui qui a crié au Seigneur, qui marche avec le
Seigneur, mais dont les diables continuent de réclamer. Car il est écrit dans la Bible, les lions, les diables rôdent tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Donc, au dévorer, c'est réclamer. Parce qu'on aura le temps d'en parler. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui sur cette terre, ils vivent ici, mais son esprit est réclamé quelque part. Les occultistes réclament son esprit, les sorciers sont en train de réclamer son esprit, les marabouts réclament son esprit. Vous comprenez? Donc ça existe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les détacher de la voix du Seigneur. J'explique que c'est Pierre-là qui quitte le bateau, qui quitte et qui vient. C'est Pierre-là. Il représente aussi la terre qui est sortie des eaux le troisième jour. Cette terre-là qui sort des eaux. Écoutez ce que la Bible dit. Quand bien même que la terre était sortie des eaux, mais cette terre n'avait pas encore produit les fruits, n'avait pas encore fait germer les plantes. Vous voyez ça? Mais pourtant, la terre a reçu l'appel de Dieu. Elle est sortie des eaux, elle s'est séparée des autres terres, elle s'est séparée des eaux. Elle est donc sortie, elle a répondu à l'appel de l'Éternel. Quand Dieu a appelé la terre sort des eaux, la terre est sortie. Donc la terre a écouté la voix. C'est là où nous parlons de la foi. Parce que tu ne peux pas écouter la voix si tu n'as pas la foi. Donc nous comprenons que la terre qui était sous l'eau avait la foi déjà. En ayant écouté, elle est sortie. Mais quand elle est sortie, cette terre, elle n'a pas produit. Car la Bible dit, aucun arbuste des champs ne germait encore sur cette terre qui est sortie des eaux. Vous voyez, c'est Pierre. Quand bien même qu'elle a reçu l'appel, mais elle n'avait pas encore produit les bonnes œuvres, que j'appelle moi la conversion. Mais elle est sortie, elle marche avec le Seigneur. Mais pour que la terre du jardin puisse produire, que j'explique que c'est aussi Pierre, il fallait maintenant que cette terre soit arrosée. Une fois que la terre est arrosée, alors la terre change de forme. Vous voyez la conversion de Pierre? Quand Pierre reçoit le Saint-Esprit, voyez-vous, c'est la terre arrosée. Elle change de forme. Mais cela ne l'a pas empêché, pendant qu'il marchait avec Jésus, que les diables puissent le réclamer. Je voudrais dire ici, à nos frères et à nos soeurs, de ne pas être ignorant que la personne avec qui tu marches, que tu bois, avec qui tu causes, peut subir l'influence du diable. Ça, c'est une réalité. Ta femme à la maison peut subir l'influence du diable. Tes enfants, même toi-même. Maintenant, c'est là où nous expliquons que nous pouvons être en train de prier, parce que vous savez, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Même moi qui vous parle ici, personne d'entre vous ne connaît mon cœur. Donc c'est lui qui me connaît dans mon fort intérieur. Il n'y a que Dieu. Mais vous, vous me voyez en train de parler, de prêcher, vous appréciez, vous dites les bien-aimés, Adela est en train de parler. Mais mon fond, il n'y a que Dieu qui sait. Maintenant, vous pouvez juger que je suis converti, non? Parce que vous n'avez que les yeux pour voir. Vous pouvez juger à part les actes que je suis converti. Alors que peut-être que pour Dieu, je suis encore dans la marche, il y a encore des choses que je dois abandonner. Donc cela n'empêche pas que les diables puissent me réclamer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que nous allons mettre un point virgule là aujourd'hui pour les choses que je voulais partager avec vous. Vous expliquer qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et parmi ces sortes de prières, il y a ce que nous appelons la prière de combat, la prière d'invocation, la prière d'intercession, la prière de supplication. Et chaque forme de prière est accompagnée des gestes, des manières d'être. Je vous ai donné le cas de se prosterner, de s'agenouiller, de se tenir debout, d'avoir les mains levées, la tête inclinée. J'ai donné des écritures pour que vous compreniez. J'ai également répondu à la question de savoir que nous pouvons prier le Seigneur, mais l'influence diabolique est vraie dans la vie de tout homme et de toute femme. Parce que si tel n'était pas le cas, nous n'aurions pas tous ces conflits, tous ces problèmes-là qu'il y a au
êtes des enfants de Dieu. Ça existe parce qu'il y a des gens avec qui nous marchons ensemble qui par moment sont saisis par un mauvais esprit et qui déterminent un comportement ou une façon d'être. Et je vous ai également expliqué Pierre, quand bien même qu'il marchait avec Jésus, toi, il avait déjà reçu l'appel, il marchait déjà avec Jésus. Ce n'était pas au début de son appel. Ça, ça nous enseigne aussi que même quand tu crois au Seigneur, tu vas encore faire une marche jusqu'à ce que tu vas atteindre la perfection. Or, pendant ce temps-là que tu fais la marche, tu comprends? Tu subis l'influence du diable, le diable te réclame, le diable te fait des histoires, et là, ça complique ta vie. Tu peux avoir la volonté, comme Paul disait, le bien que je voudrais faire, je suis incapable de le faire. Qui me délivrera? Ça, ce sont des réalités pour des gens qui conduisent le peuple. C'est-à-dire, tu trouves des frères et des sœurs de bonne foi qui veulent vraiment servir le Seigneur, mais tu sens que dans cette marche-là, ils sont tenus de fois par des choses qui les empêchent d'avancer. Et là, vous comprenez, ça demande ce que nous appelons la prière d'intercession. C'est ce que Jésus a dit. J'ai prié pour toi, Pierre. En réalité, Jésus disait, j'ai intercédé à ta faveur. Vous comprenez? Pour que tu puisses t'en sortir. Voilà un peu bien-aimé dans le Seigneur. Ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, j'avais vraiment pensé que j'aurais le temps de pouvoir aborder la question de Jean-Baptiste et Élie de Tishbite comme étant l'image de Jean-Baptiste. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps parce que ça fait pratiquement 1h15 que je suis en train de parler. Mais je crois que c'est sur ça que le Seigneur a voulu que nous puissions en parler. À chaque fois que je vais intervenir, je vais nous amener sur des éléments de ce que nous allons aborder ces jours-ci sur aussi la prière de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui subissent des influences diaboliques. Donc, comment tu peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui... Une femme trouve un homme, dès qu'il est prêt pour se marier, du coup, l'homme change d'avis. Ça t'arrive une fois, je peux comprendre. Mais ça t'arrive 3, 4, 5, 6 fois. Ne me dis pas que c'est gratuit. Donc nous comprenons que quelque chose ne va pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, on a des soeurs, ils trouvent un bon mari, tout est négocié, ils arrivent à la veille du mariage, des dotés et consorts, l'homme change d'avis. Il va ailleurs. Donc, et là, il faut observer, quand ça devient fréquent, nous comprenons qu'il doit y avoir une influence diabolique en cela. Il peut y avoir des pactes qui ont été faits au niveau des familles, pour dire que les filles de cette maison ou les filles de notre famille ne peuvent pas se marier, ce sont des vérités. Ou des hommes, il y a des hommes bourrés comme ça, ils voient une femme et puis ça commençait bien et puis du coup ils commencent à trouver la famille vilaine. Toutes les femmes sont vilaines, ok? Et ils changent de femme tout le temps. Nous ne pouvons pas dire que c'est normal. Et le peuple a besoin, quand il vient comme ça, quand une soeur comme ça vient, il faut que les ministres soient capables de déceler son problème. Pourquoi comme ça? Et être capable de l'aider dans la prière pour mettre fin à cette influence-là. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc ce n'est pas parce que tu as cru au Seigneur que tout est tombé automatiquement. Ça, c'est un raccourci. Beaucoup de gens prennent des raccourcis pour justifier leur méconduite. Non, je suis dans le Seigneur, du coup, c'est-à-dire que je ne suis plus sous l'influence du diable. C'est faux. Parce que tu continues encore à insulter les frères. Tu continues encore à être menteur. Tu ne dis pas de vérité, tu as la jalousie. Mais tu dis que tu as cru au Seigneur. Tu comprends même toi-même qu'en réalité, tu n'es pas complètement sorti. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des familles. Quand tu comptes les cas de divorce dans une famille, parce que Dieu a appelé les familles à être ensemble, à être unies. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est une recommandation du Seigneur. Mais tu vas trouver dans tes familles. L'arrière-arrière-grand-père divorcé. La maman divorce. Les sœurs divorcées. Les cousins divorcés. Toi aussi, tu as des mariages, tu divorces. 3, 4, 5, 6 divorces. Ne me dis pas que c'est normal. Est-ce que vous pensez que dans tous ces mariages qui tiennent ici, il n'y a pas de problème? Dans tous les mariages, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais les hommes et les femmes qui sont dans ces mariages sont capables de surmonter leurs problèmes, leurs difficultés et de continuer la vie. Mais quand tu dois divorcer, tu regardes aussi dans ta lignée et tu vois que les divorces à répétition, tu comprends qu'honnêtement là,
réflexion diabolique et qui demande à ce que vous puissiez prier pour mettre fin à cette influence-là. Nous aurons le temps d'en parler parce que les alliances, il faut les dénoncer. Les alliances, on les dénonce. Je vous donnerai les écritures. Est-ce que vous comprenez? Donc le peuple a besoin de trouver des solutions dans les problèmes, des problèmes concrets, palpables. Dieu a appelé l'homme à se marier. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose en passant. Quand bien même que l'esprit de célibat, le nom esprit de célibat n'existe pas, mais il y a des dispositions qui attestent qu'on peut empêcher toute une génération de ne pas se marier. Est-ce que tu comprends ça? Toute une génération de ne pas se marier. Quelqu'un, un homme, il travaille, il a un logement, et il a des moyens, il a tout. Mais qui refuse de se marier? Jusqu'à 40 ans, 45 ans, il n'est pas marié. Les gens trouvent que c'est normal. Vous avez un frère qui travaille, qui a l'argent, même un minimum. Pendant des années, il ne se marie pas. Lui trouve que c'est correct. Les frères trouvent que c'est correct. Les prédicateurs aussi trouvent que c'est normal. Non, les frères n'ont pas trouvé de femme. Non. Comment tu n'as pas trouvé de femme? Les femmes sont, comment tu n'as pas? Comment Dieu peut te priver de femme? Tu comprends que ces frères-là, des frères comme ça, il y a une influence diabolique en cela. Une influence. Ce sont des réalités vraies. Et les gens viennent à l'église avec des problèmes concrets et ils veulent que des solutions soient trouvées à ces problèmes-là. Tu épouses une femme, tu l'aimes bien. Dès que la femme entre dans la maison, dès que tu commences à regarder la femme, tu la trouves très moche. Les démons lui ont fait porter un visage, un masque. Tout comme il y a des femmes qui aimaient bien leur mari, dès que le mari entre dans la maison, il commence à voir que cet homme ne me va pas. Et tu vois, il va changer des hommes comme l'homme va changer des femmes plusieurs fois. Donc, il y a des mauvais esprits qui influencent la vie des hommes. Et il faut être à même de détecter cela pour que quand les gens viennent, quand bien même qu'ils écoutent la parole, mais aussi qu'ils trouvent des solutions à des problèmes. Jésus enseignait la parole, il guérissait les malades, il chassait les démons. Donc la vie ne peut pas se limiter seulement à expliquer l'écriture, à venir faire des démonstrations, mais la vie du peuple, rien ne change. Tu es incapable de comprendre qu'est-ce que le peuple veut. Quel est le besoin réel du peuple? Oh non, tu vois dans la parole, il y a tout. Quand tu crois à la parole, tu as tout. C'est vrai dans la théorie. Dans l'explication. Mais dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, il faut que tu sois capable de comprendre la situation de tout un chacun. Vous, chaque année, vous perdez déjà dans votre famille. Je vais vous dire une chose, frère, en passant. Toute personne qui meurt dans sa jeunesse, c'est une influence diabolique. L'Éternel a appelé les hommes à vivre et à aller mourir dans leur vieillesse. C'est l'ordre naturel que Dieu a établi. Tu es jeune, tu nais, tu grandis, tu te maries, tu fais des enfants. Tu vieillis et tu meurs. C'est la course du soleil. Donc, quand quelqu'un meurt à 30 ans, à 35 ans, ne faut jamais considérer que c'est gratuit. Ou bien, cela relève de sa mauvaise vie. Vous voyez? Dans tous les cas, c'est l'influence diabolique. Il a pris le chemin de la drogue, le chemin des femmes, de prostitution, de pas. Il va attraper une maladie qui va l'entraîner à la mort. Tu vois? Ça, c'est un. Deux, soit que ce sont les diables qui l'ont poussé à commettre des actes, finalement il va mourir. Ou d'être au mauvais endroit pour qu'il meure. Mais techniquement, l'homme doit mourir à sa vie. Mais vous êtes dans une famille. Chaque année, vous êtes en deuil. Chaque année. Ou à chaque 3 mois, t'es mort. Non! Tu dois te révolter, dire que quelque chose ne va pas. Tu as des belles filles, des bonnes filles qui craignent Dieu, qui vont à l'église, qui prient, mais tu constates que toutes ces filles-là ne se marient pas. Ils restent chez les parents jusqu'à 35, à 40, à 50 ans. Un homme responsable, même quand tu es ministre de la parole, il faut te révolter. Tu dis non, quelque chose ne va pas.
Il faut maintenant aller vérifier est-ce qu'il y a eu des contacts spirituels, est-ce qu'il y a eu des connexions quelque part. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et ça, la frère, si tu ne comprends pas qu'il y a, il doit avoir une prière de combat, tu perds ton temps. Je vais vous dire en passant, frère, vous savez la prière que nous disons, la prière de combat, il ne suffit pas de parler seulement. La prière de combat, si en tout cas quelqu'un est possédé par un esprit, il faut aller trouver les points de connexion. Il faut que tu trouves ça. Il faut que tu écoutes la personne, son parcours, que tu vois par où il est passé. Quelle est la lignée de sa famille? Ces éléments-là te permettent de comprendre où se trouve la connexion de son problème. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il soit à cette place-là? Ce sont des choses vraies. Mais il y a des gens qui prient. Viens, ils sont à chasser les démons. On chasse les démons, nous ne comprenons pas que c'est quel démon. Il est entré comment? Non, non. La personne qui cherche les démons doit venir dire, j'ai quel est ton problème? Quand je dors la nuit, je rêve les serpents tous les jours. Arrête. Oh, les serpents, tu vois, les serpents, c'est Jésus. C'est bien tout ça là. Mais tu dors, tu rêves les serpents tous les jours. Même pas que à chaque mois tu rêves où le serpent est en train de t'envelopper, il te fait l'amour, des choses comme ça, le serpent. Mais là, tu constates aussi que dans ton mariage, ça ne marche plus. Je vais vous dire des choses vraies, frère. Tu vis dans un couple, l'homme ne te satisfait pas. Tu vois ça? Mais entre-temps, tu fais des rêves avec des serpents. Mais quand il faut avoir les yeux pour comprendre qu'il y a une influence diabolique dans ta vie, et c'est cette influence-là qui crée les conflits entre vous dans la maison. Donc maintenant, il faut que tu parles pour que nous comprenions en réalité, c'est un mari de nuit. Parce que quand quelqu'un est mari de nuit, son mariage terrestre fait un semblant de marcher, ça ne marchera pas. Je vous dis, je parle de même ce qu'on appelle la connexion quand vous vous réunissez, la connexion dans vos rapports. Tu vas sentir que cette connexion-là ne marche pas. Parce que quand tu fais l'amour à ta femme, ou quand tu fais la connexion, il faut vraiment que tu sentes une connexion, que c'est ça, la vie est comme ça. Mais il y a des couples, vous ne sentez absolument rien. C'est fréquent. Qu'est-ce qui va arriver? La femme va aller à trouver ailleurs. Il aura tendance. Qu'est-ce qui pousse la femme? Qu'est-ce qui pousse cette chose? C'est l'influence de ce qu'il voit. Tu fais des rêves qu'on te poursuit par les chiens tous les jours, tous les jours, tous les jours. La Bible dit que vous dormirez paisiblement et dans la paix. Tu peux avoir une nuit agitée, un sommeil agité. Quand c'est fréquent, donc il faut comprendre qu'il y a des problèmes. Nous avons des cas. Quelqu'un est malade, on va à l'hôpital, on regarde, on cherche, on ne trouve rien. Le médecin observe, il ne voit aucune maladie. Vous dites que c'est normal. Il dit non, ma soeur, comme on n'a rien trouvé, c'est normal. Non, non, c'est une maladie qui provient des démons. Maintenant, pour comprendre, il faut trouver les points de contact. Ce que je vous informe, là, c'est la manière dont on gère l'église. Trouver quelle est la connexion. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette famille? Parle avec la personne. Essaye de trouver. Apprends aussi à être un serviteur discret. Pas trop parler, tu vas aller dire des choses déjà devant le peuple. Donc tu trouves, maintenant tu sais comment orienter ta prière pour apporter la solution. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au milieu de beaucoup d'entre nous, la manifestation du Saint-Esprit n'est pas palpable. La puissance de Dieu n'est pas démontrée. Pourquoi? Parce que nous n'apprenons pas qu'il faut détecter les mouvements des mauvais esprits pour que nous puissions ensemble engager maintenant une prière d'autorité, une prière de combat pour mettre fin à cette influence-là. Non? Les gens se cantonnent dans les théories, ils ne comprennent pas qu'il y a des choses réelles qui se passent dans nos assemblées. Voilà un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais vous parler de ces choses-là pour que vous compreniez. Je reviendrai parce que je voulais dire un mot sur l'aveugle que le Seigneur avait guéri. Je vous avais promis ça, non? Qui est sorti de la ville, du village et qui est rentré. Je donnerai un coup d'œil que vous n'avez pas encore vu. Vous allez bien voir.
dans ces choses-là. Mais le Seigneur aidant, ça fait 1h30 que je parle, on va mettre un point virgule aujourd'hui. Et nous allons devoir en parler la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans toute sa paix, sa tranquillité. Et le Seigneur aidant, nous en parlerons. Parce que nous croyons que quand quelqu'un voit que sa vie ne marche pas, à répétition, tu vois que tu n'avances pas. Hein? Tu es incapable d'avoir 100 dollars dans ton compte par mois. Non, honnêtement là. Hein? Tu es incapable de donner l'offrande de 100 dollars. 100 dollars. Vous avez quitté le Congo, les gens ont quitté l'Afrique, ils ont quitté partout. Et venant dans des pays, ils ont dit que non, ici le travail est facile, on va prospérer. Vous arrivez des années et des années. Tu n'as pas 100 dollars. Tu trouves que c'est correct. Tu n'as pas vérifié si des pactes ont été faits dans ta famille avec tes ancêtres, tes grands-parents. Qu'on vous a tous pris dans une histoire, on vous a englobé pour que vous ne puissiez pas avancer financièrement. Dès que tu as ton salaire, tel est malade qu'il faut donner. Quand tu n'as pas de salaire, personne n'est tapé. Quand tu n'as pas de boulot, personne n'est tapé. Dès que tu commences seulement le boulot, les problèmes surgissent de partout. De partout. Donner 100 ici, 50 ici, 20 ici, et puis tu te retrouves, tu n'as rien. Non. Toi, tu trouves que c'est correct. Non, je suis en train d'aider la famille. Non, tu n'as pas compris. Parce que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère les cas de ton âme. Frère, nous sommes appelés à prospérer aussi naturellement, financièrement. Alors quand tu es capable de prospérer, vous comprenez? Tu es capable de t'acheter une belle paire de chaussures. Tu es capable de t'acheter une belle voiture. Et quand t'acheter, c'est vrai. Même si nous allons aller au ciel, mais ici aussi, il faut que nous voyons que cet homme ici, Dieu l'a délivré en toutes choses. Donc ça ne marche pas. Rien de ce que tu fais ne marche. Dès que tu es dans un boulot, 3 mois après, on te chasse. Tu es dans un autre, 4 mois après, on te chasse. Tu n'as pas la stabilité. Tu trouves que c'est correct. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit probablement si le Seigneur le permet. J'ai dit que le lundi prochain, je serai absent. Parce que j'ai une petite course à faire. Nous allons donc nous retrouver le lundi d'après. Laisse que Dieu vous bénisse.